DJ Arafat, de son vivant, était un collectionneur de prix, des Kora Awards, en passant par les MTV Awards ou encore les Awards du Coupé Décalé. Bref, le Yoruba a presque tout remporté durant sa carrière musicale. Le trophée qu'il avait gagné avant sa disparition était le Life Choice Award du meilleur artiste masculin ivoirien. Mais le Daichi visait un autre trophée, l'Afrima Awards du meilleur artiste francophone. Et il incitait à chacune de ses publications ses Chinois à voter massivement pour lui, car comme il aimait bien le dire, la Chine n'aime pas foutaise. Décédé malheureusement le 12 août dernier, Biru Sama serait certainement très heureux de voir ses nombreux fans voter pour lui afin qu'il remporte cet ultime trophée. Dans sa catégorie, il croisera le fer avec Ariel Chené, Fally Ipupa, Dadju et autres. Rappelons que les Afrima Awards auront lieu les 25 et 26 octobre 2019 à Dallas aux États-Unis. Des artistes comme Fally Ipupa ou encore Toofan ont déjà remporté ce prix.